terre ba généraux nyo sur bazana est a rappelé mon nom à Kinshasa séminaire de renforcement des capacités azu ba colonel issu na forme école de guerre ya bizo zone atinda bango ba sala musala. La plupart de nos généraux sont devenus des hommes d'affaires. Ils ne combattront pas. Ni était le Ouazalène d'aujourd'hui, on s'est réunis. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de lancer des offensives pour récupérer nos terres. S'il vous plaît, la terre de nos ancêtres. Au Congo, la télévision n'est-ce pas pour la République démocratique du Congo, l'heure est grave et Sengeli na Montenio sont à joie à prendre conscience sur la situation d'Ali Koleka dans la République démocratique du Congo et en gros, mon amour, mon beau cadécor et Sali est changé parce que situation est et Sengeli qui sont nions sur tout élément et Sengeli n'a pas au Oyo, Makila et Ganga, et dans les binationaux et dans les nani tant que dans Makila congolais, Sengeli Makila qui a Congo et Mbo Kanayo et Ganga. Pour la situation et la République démocratique du Congo, il y a un petit ébélé parce que même autre année, comme on a un partenaire hier, les gens qui ont accès à ce milieu, il y a un clair que il y a une République démocratique du Congo. Tu as dit que sur le boye, des pêches, il y a un peu de temps parce que nous sommes dans le Congo, la télévision, tout le bagage, tout le bagage, temple de vérité, temple de preuve, des pêches, il y a une photo même et vous allez illustrer. Alors que plusieurs acteurs évoquent dans le domaine minier dans l'Est de la République démocratique du Congo dénoncent les pillages des minerais du Kivu, Kigali signe avec Bruxelles le protocole d'accord global gateway sur les matières premières durables. Le Rwanda possède des richesses, ressources naturelles qui peuvent contribuer à apporter la prospérité à la population locale et à faire progresser la transition verte mondiale. Je suis heureux d'avoir signé aujourd'hui à Bruxelles le protocole d'accord global gateway sur les matières premières durables avec le ministre Biruta, a déclaré lundi Julien Uplen, représentant de l'Union européenne. Est-ce les loyaux? La COP27, au monde qui République démocratique du Congo, qui pays solution pour la Italie, climat et transition énergétique, Nyonso. Est-ce que les loyaux pays solution et le moins RDC comme Rwanda? L'Union européenne va trahir tout, va causer la République démocratique du Congo. De l'autre côté, les amis ont tourné mon côté, ils ont tourné. Gouvernement Sama a démissionné. Ce qui premier ministre a déposé démission à yé. Gouvernement mon Mekenda. Mais le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bien été bâti Calabas géré par affaire courante. Est-ce que moi Namboka, politiquement parlant, to juridiquement parlant, moi Namboka a une tort, toi il a raison. Moi, je suis Joseph Mbeni Zazali, je suis Awa. Je suis sur le nez parce que tant que la politique de la République démocratique, comme tant que je suis anglais, je suis congolais, je suis posé multiples questions et je suis congolais, je suis en matière pour opérer la population congolaise. Moi, je suis en train de faire. Je suis Olivier, je suis en congolais, je suis d'ici de la diaspora, donc on appelle ça Mbote parce que je suis un peu sensible. Donc, je crois que bato ba otala la émission, il faut pas partager en Wekomati et pas Mokonza Mboka et qu'il est partout parce que ils ont éveil patriotique, que ça la sikoyo. Éveil patriotique, que ça la sikoyo. Tant que ils ont dit, c'est que ils ont dit, ils partager en pour que et permettre et toucher les Congolais et belé mon amboka aussi longtemps to eba qui République démocratique du Congo pays solution la COP 27 mon amboka Félix Antoine Tshisekedi a lobby en mais l'Union européenne a signé un accord na Rwanda. Nyonsona, ça fait partie d'une réalité politique au niveau international. Ça oba bengaka idéologie na philosophie à Occident à l'égard de la République démocratique du Congo. 2,345,410 km², pour na bango, c'est un grand tout, hein, obiso, il faut pas tout mériter en gros. Donc pour na calcul na bango, balingi sous te ba sala erreur ba sala na Arabie Saoudite. C'est-à-dire travailler avec l'Arabie Saoudite et pour tout ça, là, où il y a accord win-win, c'est-à-dire 50-50, il y a moins ça que l'Arabie Saoudite est à développer. Parce que dans le cadre de la République démocratique du Congo, ils ont besoin d'un pays faible, instable, en insécurité, et puis ils ont besoin d'un leadership faible, comme c'était le cas de Joseph Kabila, pour bah, manipuler. Il faut le dire comme ça. Maintenant, les bosses, c'est qu'il y a un combattement. Si on a bini vraiment en poisson pour dire, on a calculé la biseau, les matières premières de la RDC sont plus importantes que les Congolais, les Katambokawana.
Il y a même à tête, Congolais, tu couffes des millions, bazo consolaté. Pourquoi? Parce que les multinationales n'ont pas d'âme, n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire, bango, c'est le profit, les intérêts. Ces multinationales là, elles ont influencé la politique, y a beaucoup à voir. Ce qu'on m'a dit, l'Union européenne a signé, ce n'est pas l'Union européenne, ce sont des multinationales européennes qui influencent l'Union européenne. Mais est-ce que l'Union européenne a trahi la République démocratique du Congo? Non, en relation à la politique extérieure, on dit que les nations sont des monstres froids. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. Maintenant, pour la Bissau, nous sommes dans une situation à danger géostratégique. Il y a sous-région à Grand Lac, il y a Makassi. Eux, bah, ils disent que le Congo est dans 9 pays voisins. Il faut que dans un pays voisin, il y a une pression dans la RDC pour que le pays soit instable. Alors, le pays où on va trouver depuis 1994, c'est le Rwanda. Le Rwanda, Azali, où on va payer à transit, il y a une matière première. Et ça, Kagame, c'est ce que je veux dire. Ce sont des multinationales, dans le gouvernement, il y a une multinationale, il y a Kagame Liboso. Si Kagame, il y a une tournée, il y a un mbongo, il y a un développement. Mais au prix du sang de Congolais. Maintenant, le problème est à Nini. Problème est à l'Union européenne. Problème est à Kagame. Problème est à Bissomoko dans le Congolais. Nous ne sommes pas patriotes. Nous n'aimons pas ces pays. Je vais donner des exemples clairs. Allez-y. Ndeko, Tolobate. Sur le plan militaire, aujourd'hui, nous avons une armée capable de récupérer Bounagana. Posons-nous la question, pourquoi Bounagana n'est pas toujours récupéré? Posons-nous la question, pourquoi Centre et Abitoumbe comme Mouchak et comme Sake? Centre Bitumbe Longwe Mweso, et Longwe Rubaya, et Longwe Mouchak et Komi Sake. C'est une diversion. En réalité, c'est un moyen d'exploiter des minéraux parce qu'il y a les niobium, les lithium, et le coltan n'appartient à Rubaya, qui le livre à Mouchak, parce que pour eux, ils ont moyen à Kobima la Rwanda. Il vous souviendra qu'il y a des rapports aujourd'hui que non, en 2023, le Rwanda fait 1,1 milliard de dollars, il y a bénéfice, contrairement à 2022, s'il était à 700 millions de dollars. Posons-nous la question. Zone Zan Bitumba. Comment est-ce qu'ils parviennent à faire sortir des minéraux? Quelque part, il doit y avoir une complicité ici à l'interne. Oui, ils allaient même dans le cadre de politique et République démocratique. Même au sein de l'armée, papa, et ça, dans le militaire, nous ne comprenons pas comment on va chef coutumier. Depuis 2013, à Zalaraka, à l'Est, à Tournaka, à l'Est, on ne m'a jamais nommé dans le bandou. Il y en a trois que je ne peux pas citer le nom ici parce que c'est toi. Non. Voilà, exactement. Mais on se pose des questions. Pourquoi ces gens-là ont toujours ces postes stratégiques au niveau il y a nord-sud qui vous manier ma l'icolo kuna dans le Morate Baza Misato. Mais je suis content de Bazon d'ici Chiwewe. Chico Chitamwe na Est. Parce que nous manquons des gens comme Mamadou Ndala, comme Mbouza Mabé, comme Bauma. Tous ces généraux-là qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ndeko, il y a un problème au sein de l'armée. Ndai na réflexion, Ndai, voilà. Au moment de partir à Est, on a une réflexion, on a comment comprendre que non, partir à Est, on est comme une zone moro sensible, on dirait, et ça établit que tout ça là sous la contrôle dans un côté. C'est-à-dire minerai à Rubaya, minerai à Mouchak, et quand tu as sous un trésor public, tu es dans le budget de la. Parce que le 1 milliard que le Rwanda se sert aujourd'hui, c'est le 1 milliard qui devait entrer dans notre trésor public. Donc, en réalité, aujourd'hui, c'est comme si cette partie-là ne nous revient pas. Posons-nous la question, quel est le sentiment à Bato Bazan à Bounagana 600 jours après, ils sont toujours sous la botte de Rwandais. Et oh, comme il dit 18h, Moutaro Bimate, Moutaro Kotate. Maintenant, l'Union européenne signe le contrat. MTN, signe le contrat avec le Rwanda. Mais à part l'Union européenne, il y a aussi les États-Unis d'Amérique. Il y a des multinationales américaines qui installent des usines. Il y a la fabrication de véhicules électriques. Il y a BYD et s'installer. Il y a des Australiens qui s'installent là-bas. Vous comprenez? Ça, c'est un complot. Il y a ma casse contre la RDC. Mais quelle est la position à mon amour, Félix? Mais sur quoi problème, Nandaï, je suis en train de me poser la question. Que font tous ceux qui sont conseillers militaires du chef de l'État par rapport à cette situation? Quel est le conseil, l'orientation, bah, service à renseignement militaire et civil, bah, je dans mon Zamboka? Pourquoi notre armée, je me pose des questions, ne lance pas des offensives pour récupérer? Je me pose des questions. Moins s'auto-récupérer à 80%. Mais pourquoi on a levé les pieds pour laisser entrer le M23 dans la carte à Moins? Pourquoi chaque fois on doit toujours reculer?
Étant donné que nous avons des militaires bien formés, bien armés, pourquoi nous ne récupérons pas nos terres? Je me pose la question et les Congolais doivent se poser cette question. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est le moment de dire des vérités aux dirigeants pour ne pas changer fusil d'épaule. Nous, nous sommes là pour appuyer le président de la République à réfléchir, à réussir avec nos réflexions. Il y a nos militaires. Moi, pendant le conseil à l'Iboso, on a repris ça. Pendant le sujet, le général Nyo Sobazan à Est a rappelé mon nom à Kinshasa. Séminaire de renforcement des capacités. Aziba colonel issu d'une école de guerre, Yabin Zosan, a qui n'a pas de Moussala. La plupart de nos généraux sont devenus des hommes d'affaires. Ils ne combattront pas. Ni étaient les Ouazalènes d'aujourd'hui, on serait où? Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de lancer des offensives pour récupérer nos terres. S'il vous plaît, la terre de nos ancêtres. Mais Ezalangi Bongo, même présentation à chef de l'État, et Moko Alobi, RDC, pays solution, mais aujourd'hui, RDC, ça va dire qu'on y va, RDC, pays solution, pour la Rwanda. Et comme Rwanda. Et comme Rwanda, Rwanda, comme pays solution. Et puis, ce qui est grave, la chargée, il y a affaires étrangères, il y a Union européenne, on dit, Zobaloba, maman, là. Algérien d'origine, que Bissau Congo, il faut négocier na M23 et puis tout a soutien la mission de FDLR. Dans le discours, et puis les États-Unis ont repris le même discours dans le Conseil de sécurité en disant que les M23, bon, bima, mais Congo pratique à soutenir la FDLR. C'est-à-dire, bah, tiens, ils sont au même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, les FDLR ne tuent pas au Rwanda, mais les FDLR tuent au Congo. Mais les M23. Le M23. Donc, on a déjà le discours, voilà. Ils ont 5 abissos, un sursaut patriotique. On a besoin de militaires comme de Mamadou Ndala, qui a dit, je ne fais pas les affaires, je suis un militaire. Je vais récupérer la terre de nos ancêtres. On a besoin de gens comme Bouzamabe, comme Bahoma. Aujourd'hui, on n'a pas de... Au fait, on n'a pas de généraux qui peuvent nous faire rêver. Mais est-ce que les autres populations, il faut se soulever parce que ça, c'est trahir la République démocratique du Congo? C'est là maintenant intervient la responsabilité. Pourquoi arrêter l'élan? Il y a contestation dans la rue de la population. Bien qu'il y ait eu des débordements, on pouvait encadrer. On ne pouvait pas empêcher les gens de manifester contre l'Union européenne, les États-Unis, la France, l'Angleterre. C'était une erreur politique. On n'est pas là seulement pour gober. Non! Moi, je me plains de ce que M. Peter Kazag avait fait. Il fallait seulement encadrer les manifestants. On dit qu'à la fin, même de mois, chaque jour, ils allaient fléchir. Donc, on se voit quelques minutes parce que j'ai une question encore très, très, très pertinente. Oui, bah, Congolais, bah, Koutou, Nabalobi, et la Constitution, l'article 108, et Pessin Dingisa, Nabato Oyo, Bazali Kotra, Bazali, le rôle de la députée national ou bien nationaux ou bien dans l'assemblée, parce qu'il y a la droite à cause à la 1 membre du gouvernement, 2 parce qu'il y a la droite à cause à la membre de l'institution d'appui à la démocratie, 3 membre de la force armée et la police nationale ou bien des services de sécurité, 4 magistrats, 5 agents de carrière et des services publics de l'État, et puis 6 cadres politico-administratifs de territoire ou bien à l'exception des chefs de collectifs, chefferies et des groupements. Les animaux et bélés, 7 mandataires publics actifs, 8 membres du cabinet du président de la République. Donc, tant qu'on a dit député, au Kozala, Nakati, c'est oui, quoi, Oyo, les amis, les chefs de l'État, à l'obina Bato Oyo, Charles Samalokonde a démissionné. Gouvernement, mes amis, démissionnaire, les chefs de l'État, l'obina était. Bah, gérer ma affaire courante. Chef de l'État, à tort, pas raison. Polémique et sur polémique, il n'a pas réseaux sociaux. Mais je pose la question aux Congolais. Politiquement, c'est que le président de la République a fait correct. Je vais donner des exemples. Dans ce gouvernement, nous avons par exemple le ministre des Finances et le vice-ministre des Finances qui sont députés nationaux. Nous avons le ministre du budget et le vice-ministre du budget qui sont devenus nous. Maintenant, la période Oyo, extrêmement difficile. Si nous n'étions pas en guerre, je pouvais comprendre les agitations, il n'y a pas tout. Mais nous sommes dans une période critique. Nous avons un tableau de bord. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit. Dis-moi maintenant, on donne la gestion au ministère de la Finance, le budget, le secrétaire général. Mais il n'a pas tous les dossiers entre ses mains. Célérité, traitement, dossier, et que nous avons M. Christophe Lutundula,
qui est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et son vice qui sont devenus des députés nationaux. Alors, c'est le secrétaire général qui va traiter des dossiers sensibles, il y a diplomatie à Mboka, par exemple. Alors, nous comptons Mboka sur le plan politique à Talalbi, non, 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 non. Et qu'on crée les missions à problème parce qu'on a perdu, oh, l'ennemi peut profiter. Je comprends que les gens puissent parler du juridisme, mais il ne faut pas oublier les faits précèdent le droit. C'est-à-dire la politique précède le droit. Mukonza Mboka est à la tableau de bord. Comment avoir la célérité? Parce que plein de dressements à Mboka. On dit que l'État a la dépense exceptionnelle en termes d'armement. Mais ce qu'on peut couper chez Rwanda. Retard Rwanda, ça peut nous causer des problèmes. C'est pour cela que Mukonza Mboka a une initiative. Voilà. Parce que il y a même à la tableau de bord. On peut critiquer sur le plan de droit, mais sur le plan politique, il est en train de travailler, il sait ce qu'il a comme réalité entre ses mains. Aussi ministre finance, aussi vice-ministre de Bazate, aussi ministre budget, ministre Bazate, comment le pays va être géré? Comment le pays va fonctionner? Ministre affaires étrangères, même. Vice-ministre, même. Ce que vous savez. Donc, tout de suite, il y a un sentiment, on a des émotions. Nous sommes trop dans les sentiments, dans les émotions. Mais moi, j'aurais voulu, la proposition, elle est simple. Moi, j'aurais voulu que Batouba anticipé, c'est là maintenant, je condamne ceux qui sont autour du chef de l'État. Les conseillers et tous les autres. On pouvait anticiper pour aller au Parlement la validation des mandats de pouvoir pour que Cyprien se salama. Vous comprenez? Alors, eux, ils allaient retourner, hein, ceux qui avaient nommé, ils ont mis la poste, mais ils allaient être libérés dans la charge comme parlementaire. Cyprien, il n'y a pas qu'un des, il n'y a pas qu'un faire pour eux. Mais ce retard-là, c'est pour cela que les gens critiquent. Si vous avez tout, il y a un monde où l'État autour du chef, il fallait pas faire ça, les conditions à Bandakala. Il y a suppléance. Parce que ben, déjà que non, papa, plus de 36 ministres vont aller dans le gouvernement. Le pays va fonctionner comme nous. Même quand on le dit, ministre, M. Bassimé, intérim, nous sommes dans la 4 portefeuilles. Or, Koukata. Donc, c'est pour cela que le président de la République est allé dans ce sens-là pour la situation exceptionnelle au Tzana en Mboka. Pour la situation exceptionnelle au Tzana en Mboka, mais moi en Mboka. Et Tzana en Kati, au Tzana en République démocratique du Congo, la continuité de l'État. Les personnes, l'institution, tout bateau, les écolos, l'institution, il y a Moussalo, les Ali Kosalema, ministre, Djouanayeto, secrétariat général, Moussala, Moussala, Moko, secrétaire, Azali pour s'occuper de l'administration, Azali, maître administration, ministre, Azali, on a pour pouvoir paraffer ma signature et puis n'a marché mon sous. Est-ce que communion on est mon salaire dans la carte? Oh, ok, c'est là maintenant intervient l'intelligence stratégique parce que le ministre gère des dossiers sensibles que les secrétaires généraux ne gèrent pas parce qu'ils ne font pas partie de membres du conseil de ministres, ils ne sont pas dans des délibérations, ils sont dans l'administration. Il y a des dossiers sensibles que les secrétaires généraux ne gèrent pas donc. C'est une situation exceptionnelle où déjà créé jurisprudence en Mboka. Les gens en parleront des années et des années. Et comme même Bamatier, il y a autant en a droit. Donc l'État n'a pas tort. Non, c'est-à-dire, moi je dis sur le plan, c'est du politiquement correct. On peut critiquer sur le plan juridique. Mais il faut évoquer que c'est le fait qui précède le droit, la politique précède le droit. Chef de l'État violé article 108 de la Constitution. Non, il faut comprendre les circonstances. Oui, Mokonza Mboka a respecté Ango. Maintenant, s'il y a dysfonctionnement dans Mboka, même Kinshasa Ango et quoi, même Bagom et quoi, il y en a, vous direz quoi. Donc, Mokonza Mboka ne peut pas prendre une décision comme ça à la légère sans avoir étudié tous les paramètres de ce dossier. Donc, c'est pour dire, s'il agit comme ça, c'est en connaissance de cause. Mais, moi, j'aurais voulu que ma collaborateur, la chef, va anticiper pour créer la suppléance de tous ces ministres-là qui devaient rester pour expédier les affaires courantes avant la décision à démission à Samalo Kondé. C'est là, moi, l'éthargie. C'est là que je déplore, mais on pouvait anticiper. Mais position PHF de l'État actuellement, moi, je suis Félix Saïd pour communiquer. Et je suis dans la population, dans la situation est, je suis dans matasse, ma partenaire internationaux, je suis dans la République démocratique du Congo, chef de l'État. Si quoi cela intervient, il y a mon azo 5 à Mokonza Mboka. Il faut pas protéger Batuloko la Bisso et puis il faut pas foutre à Batuloko la Bisso. Parce que c'est nous qui communiquons à la population. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui devait communiquer normalement la période Oyo. Il faut qu'au niveau de la présidence,
qu'il y ait des gens qui communiquent. Là, je rencontre le vieux Auto Koufa, un porte-parole et chef de l'État. Il avait les habitudes d'être toujours à la RTNC, dans les médias, pour expliquer comment les choses se passent, quelle est la vision, les paroles du chef de l'État. Mais au moment où il faut que le peuple soit communiqué, puisse avoir l'information à la source, pourquoi de la décision du chef de l'État, là intervient la responsabilité de M. Eric Nyendou et de Mme Tina Salama. Excusez-moi de citer leur nom. Avant que le président puisse prendre une telle décision, même pendant que le président a pris cette décision, c'est eux qui devaient être là dans les médias pour dire le bien fondé de la décision. Mais ils sont bouche cousue. C'est ça le regret. Mais c'est nous qui communiquons à la population pour dire voilà le bien fondé de la décision Mkonza Mboka. Moi, toujours je m'appelle parce que nous avons besoin de la protection, nous avons besoin aussi d'être soutenus. Parce que c'est nous qui communiquons à la population. Merci beaucoup, mon Mboka, Joseph Mbenzanabandi. Nous sommes arrivés à la fin. 30 secondes, message général à la population congolaise. Non, moi, je ne vante pas des gens, mais j'aimais ce que M. Bahati Lukoba fait. Le patriarche Bahati, il a démissionné et il est allé. Il appelle le secrétaire général du Sénat. Il y restitue, il faut l'inventaire des véhicules de l'État à zone ici. Ça, c'est le comportement que nous tous politiques, nous devons adopter sur le commun à pouvoir. Il y a un moment pour l'angana pour raisonner qu'entre l'IDPS et la FDC, il faut qu'il y ait une alliance stratégique et politique. Parce que FDC aujourd'hui, c'est 115 députés nationaux et provinciaux, sans compter les conseils communaux. Donc, nous avons pendant 5 ans, et après, nous avons dit que le premier ministre était comme un tata pour nous.